La quantité de travail, elle est pareille, je pense, qu'un cours normal. Elle est juste encore donnée d'une manière différente. La charge de travail n'est pas assignée par le professeur, elle est assignée par la machine. On reçoit des messages qui nous disent bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous devez terminer tel exercice pour telle heure. Et ce n'est pas plus de travail, c'est juste une différente manière de le recevoir. Et puis la même rétroaction aussi, lorsqu'on soumet un travail, on reçoit la même rétroaction que si le professeur était à côté de nous. C'était un cours obligatoire. Il me restait juste des cours obligatoires à faire. C'était un cours obligatoire. Je l'avais déjà suivi à l'automne précédent, dans son format régulier, le de cours magistral. Et puis, j'avais trouvé ça très difficile. J'avais fini par l'abandonner. Faut dire que j'avais une session à temps plein aussi à ce moment-là. Quand j'ai choisi, donc je l'ai abandonné parce qu'il y a beaucoup de lectures à faire dans le cours. Puis en le reprenant en cours hybride, la deuxième session, j'étais agréablement surprise, justement parce que le format était plus flexible. Ça me permettait d'être juste une heure en classe, et puis le restant du temps, je pouvais moi-même, comme je commence mon petit business de traduction, j'avais quand même des petites choses à faire moi-même. Et puis, donc ça me permettait cette flexibilité-là qui était vraiment intéressante. Pour ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le cours. D'abord, parce qu'il était obligatoire, mais j'ai eu l'agréable surprise du format du cours. Pour moi, ça fonctionnait mieux, beaucoup mieux. J'avais le temps de lire, d'abord, aussi parce que c'était le seul cours que j'avais à cette session-là, mais aussi, je travaillais quand même à côté. Et puis, j'avais le temps de lire l'information. Ensuite, j'arrivais en classe, j'étais préparée. Puis, j'aimais beaucoup que le professeur, au lieu de juste régurgiter ce qu'on a déjà lu, on mettait en pratique en classe. Puis, il était là.